Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Sergio et je voudrais vous faire part de mon, de mon témoignage, de mon parcours et de ce que Dieu a fait dans ma vie. Eh bien je suis issu d'une famille catholique de tradition et euh, mon enfance fut nourrie en fait malheureusement euh, de, de violence. De violence parce que mon père en fait était schizophrène et il avait une forte addiction à, à l'alcool. Et donc, euh, ça a bouleversé mon enfance, ma jeunesse, et euh, ça m'a brisé, pour ainsi dire. Et à la, arrivé à l'âge de l'adolescence, j'étais en quête d'identité. Enfin, je me cherchais en fait, au milieu d'une société en fait, qui perd ses valeurs, qui est en déclin. Et bien, euh, j'ai trouvé en fait une identité en islam. Et il y avait des, en effet, j'étais. Euh, J'étais dans une banlieue en fait, euh, fort, euh, avec beaucoup de population musulmane, et ils m'ont orienté vers l'islam, euh, m'ont parlé beaucoup de choses du Coran. Et ce qui m'a séduit en fait, c'est qu'il y avait l'esprit de communauté, de famille, qui était géré euh, par des règles strictes, par, euh, par des interdits. Et euh, cette idée-là en fait me séduisait parce que je me sentais comme, comme protégé. Mais néanmoins, j'avais toujours cette douleur au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme qui, qui demeurait. Alors, euh, j'ai décidé en fait de, 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 de trouver cette paix dans le Coran, en, est, en, en faisant la lecture vraiment assidue de, de ce livre saint. Et euh, ce que, en lisant euh, le Coran, j'ai trouvé encore plus d'interrogations sur, sur moi-même. Parce que je ne trouvais pas un verset qui me disait que, que je pouvais être sauvé, que mon âme serait sauvée de façon claire, explicite et, et sans équivoque. Alors, euh, vraiment, une, une sourate qui m'a vraiment mis le doute dans, dans, dans mon cœur, c'est la sourate 19, au verset 71 et 72, qui dit que n tout musulman quelles que soient ses actions, doit passer par l'enfer. Et, euh, et nous, nous enlèverons ceux qui... Nous délivrerons ceux qui auront été pieux et ceux qui, euh, qui auront été injustes, on les laissera dans ce lieu de tourment. Et euh, en fait, euh, sachant que moi-même, en fait, je ne faisais pas des choses très, très claires dans ma vie, qui fait euh, que j'ai touché aussi un peu à la drogue et... Euh, et euh, à des choses que je ne devrais pas, les femmes et tout ça, et que j'avais cette, cette colère, cette rancune dans le cœur, eh bien, euh, je me sentais coupable devant Dieu. Et, euh, et en lisant encore les sourates, à la sourate 100 au verset 6 et à la sourate 14 au verset 34, dit que l'homme, quoi qu'il fasse, est ingrat devant Dieu, devant son Seigneur. Donc là, en fait, je me sentais vraiment condamné. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une solution dans. C'est un livre de Dieu, il, il doit avoir un indice. Il faut que je continue ma, ma lecture. Je ne peux pas euh, me contenter, en fait, de ce que me disent mes collègues. Je, je cherchais vraiment, en fait, à savoir qui était Dieu. Donc, euh, en poursuivant ma, ma lecture, euh, je suis tombé sur un passage qui parle du prophète de l'islam, du prophète Muhammad, « La paix soit sur lui. Qui dit ainsi, c'est à la surah 46, verset 9, c'est Allah qui s'adresse à Mohamed, qui lui dit de dire, Dis, je, je ne sais pas ce qui sera fait de moi, ni de vous qui me suivez. Donc, donc, euh, le prophète de l'islam, Mohamed, le fondateur de l'islam, lui-même, ne savait, euh, n'avait pas de certitude de son salut. J'ai dit d'accord, d'accord. Donc, euh, je continue toujours dans, dans cette démarche, dans, de, de rechercher dans cette dynamique de, de vraiment chercher euh, par moi-même, en fait, la, la vérité. Et donc, euh, euh, je tombe sur un passage, la Sourate 10, au verset 94 et 95, qui dit euh, c'est Allah qui s'adresse encore une fois à Mohamed. Si tu es en doute, si tu as un doute par rapport au Coran, à la révélation, interroge alors ceux qui ont le livre révélé avant toi. C'est-à-dire les chrétiens. Le livre révélé en question, c'est la Bible qui contient la Torah et l'évangile. Et le Coran lui-même dit, à la Sourate 5, verset 46 et 47, que la Torah et l'évangile, c'est-à-dire la Bible, qui compose la Bible, est euh, un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. Et donc voilà, là on parlait vraiment de, de, de piété. Et sachant qu'aussi c'était un livre qui descendait d'Allah, de, de Dieu, à la Sourate 3, verset 3. Donc euh, tous ces a priori qu'on qu m'avait euh, dit sur la Bible, le, ce que les religions en avaient fait, euh, et tous ces a priori, en fait, étaient tombés d'un seul coup, en fait. Et euh, je me suis procuré une Bible et j'ai vraiment cherché euh, la vérité. C'était ma démarche vraiment euh, depuis le départ. En ouvrant la Bible, je me suis aperçu, à, en, en ouvrant euh, l'Évangile, de Jean au chapitre 8, au verset 12, que Jésus, Sinehissa, Yeshua était, euh, était. Il se définissait lui-même comme la lumière du monde, et que ceux qui le suivraient ne marcheraient pas dans les ténèbres, mais auraient la lumière de la vie. Et euh, au verset 14, il disait qu'il savait d'où est-ce qu'il était venu et où il allait. Et franchement, j'ai. Je trouvais que c'était comme une évidence, une réponse à tous ces questionnements. Et je demandais à Dieu, mais, mais montre-moi la vérité, je cherche la vérité, révèle-moi ta, ta vérité, je cherchais tout mon cœur, je, je lui parlais comme ça. Et euh, donc je poursuis en fait, ma lecture dans, dans la Bible, en fait, et je tombe dans Jean 3, 16, dans, dans euh, Marc 16 au verset 16, dans Romains 8 au verset 1. Dans, toujours dans Jean 5 au verset 24 que en fait pour ceux qui suivent Jésus Christ ont la vie éternelle ceux qui demeurent en Christ mais qui ne viennent pas en condamnation donc il n'y avait pas de condamnation pour celui qui suit Jésus Christ j'ai dit waouh c'est quand même très très fort Enfin, ça répondait vraiment à, à ces questions. Et là, j'ai vraiment fléchi le genou parce que c'était une période de la vie où j'avais des tendances aussi suicidaires parce que je ne pouvais pas avancer avec cette blessure dans le cœur et euh, ne pas savoir euh, ce qui adviendrait de moi après, après euh, que je meure parce que euh, j'avais peur de cela, en fait. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, Allah, Dieu. Révèle-moi qui tu es, s'il te plaît, Seigneur. Je ne peux pas rester dans ce doute. Si Jésus est mort pour mes péchés, s'il a pris la conséquence de mon péché à la croix, eh bien révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es, s'il te plaît, Seigneur. Et à l'instant même, j'ai ressenti l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour sans tache, l'amour pur qui, qui est venu m'envahir, qui transcende tout. Je ne peux pas l'expliquer, mais... Et, et j'ai été vraiment... Euh... J'avais les larmes aux yeux et, et vraiment cette blessure en même temps qui était dans mon cœur était colmatée par cet amour inexplicable et j'ai pu me relever et euh, ça m'a apaisé vraiment ça m'a donné beaucoup de paix et j'ai pu pardonner à ceux qui m'ont fait du mal parce que la Bible disait aussi dit aussi que un homme ne peut donner que ce qu'il n'a s'il n'est venu d'en haut et Dieu m'avait donné cet amour pour pardonner à mon prochain comme il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est tout simplement impossible si on n'a pas cet amour de Dieu d'aimer en fait sans compter, sans, sans, euh, sans a priori, sans, sans rien espérer en retour. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans, dans notre cœur. Donc, euh, tout cela, en fait, euh, en fait m'a mis beaucoup de certitudes, mais j'ai continué toujours euh, euh, dans le Coran à... Euh, à persévérer dans ce livre parce que parce que la, la Bible enfin le Coran orienté à, à la Bible et donc j'ai continué à chercher des versets en fait qui confirmaient euh, mes croyances et donc je me suis aperçu en lisant le le Coran que par exemple euh, qu'à la sourate 19 au verset 19 que Jésus était sans péché et euh, et à la sourate 33 au verset 21 que vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Alors Jésus sans péché, et euh, j'ai regardé du côté de Mohamed, à la Sourate 47, versets 19, 40, 55 et 48, versets 1 et 2, qu'il était pécheur et qu'il se repentait, qu'il demandait pardon pour son péché, et que Jésus était sans péché. Et dans la Bible, dit que dans 1 Pierre 2, ou versets 21 et 22, que nous avons... Un modèle à suivre dans les pas de Jésus Christ, lui qui n'a pas péché, et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de, de fraude. Donc euh, c'était clair. En fait, le chemin qu'il fallait suivre, c'était Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en poursuivant toujours ma, lec euh, ma lecture euh, dans le Coran, qu'à la sourate 3, versets 55 et 56 et 56, c'est que... Allah avait mis fin à la vie de, de Jésus-Christ, donc euh, a, le, le terme arabe, le mot arabe, c'est « montawafika », c'est-à-dire « mettre fin à ta vie », c'est-à-dire à la mort con, con, constatée pardon, de, de Jésus. Et que je, je l'élève vers moi, donc il est monté au ciel, et, et, et place ceux, enfin, te, te débarrasse de ceux qui n'ont pas cru, et place ceux qui te suivent en-dessus de ceux qui n'auront pas cru, jusqu'au jour de la résurrection. » Et quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtirai d'un dur châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Donc, le, euh, le Coran lui-même dit qu'il qu faut suivre Sidney Rissa, qu'il qu qu est le chemin, qu'il qu faut le suivre, sinon euh, pour, pour aller au ciel, parce qu'il est au ciel, il a été enlevé au ciel, qu'il est mort pour notre péché, qu'il a été enlevé au ciel. Et donc, euh, le Coran, le, la Bible l'affirme, le Coran le confirme. Donc pour moi, euh, c'était clair, c'était clair. J'avais la réponse à toutes les questions fondamentales que je me posais de, depuis euh, toute mon existence, en fait. La vie, l'amour, la, la paix, c'est Dieu lui-même. C'est de faire cette expérience en soi et non pas par, euh, par une dogmatique, par des rituels ou par une religion. Et donc euh, le Coran lui-même dit, un passage très important, c'est que... Euh, depuis la chute d'Adam, l'homme est devenu aveugle. Donc, à la Sourate 20, au verset 125, et l'homme est devenu aveugle, effectivement. Et aveugle dans quel sens À la Sourate à la surate 22, explique que l'aveuglement, en réalité, c'est l'aveuglement du cœur. Et, euh, et euh, il est dit aussi, à la Sourate 17, au verset 2, que. Euh, que celui qui aura été aveugle dans ce monde le sera aussi dans l'au-delà. Ce sera mal guidé et sera dans les ténèbres. Donc, euh, c'est clair que l'homme est aveugle. Et lorsque, quand on lit la Bible dans, dans 1 Corinthiens 3, verset 17, quand on se convertit au Seigneur, ce voile tombe. Effectivement, c'est ce, comme si euh, j'étais aveugle et c'est comme si je voyais les choses beaucoup plus clairement. Et euh, le Coran dit. Et je dis euh, Alléluia, parce que le Coran dit à la Sourate 3, au verset 49, et la Sourate 5, au verset 110, que Jésus rendait la vue à l'aveugle né, sachant que nous sommes tous nés aveugles. Eh bien, euh, chers frères et sœurs, chers musulmans, ou qui que vous soyez, dans un monde où euh, le péché, où le mensonge règne, prédomine, Cherchez de votre cœur, ne vous contentez pas des explications des hommes. Les hommes sont imparfaits. Mais cherchez à la source, cherchez au livre, cherchez à demander à Dieu qu'il vous éclaire, qu'il vous montre la vérité. Parce que la vie est, est courte et éphémère. Un jour ou l'autre, on, on sera confronté à nous-mêmes, on sera dans une tombe, on n'aura pas nos parents, notre religion, notre culture. On sera, on sera devant Dieu. Et, euh, et Dieu nous aura laissé. Une multitude, une quantité de signes qu'on aura, qu aura, qu aura rejetés tout au long de, de votre vie. Et je vous en supplie, ne rejetez pas les signes de Dieu, l'appel de Dieu. Parce que le Coran lui-même dit qu'il qu y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Alors, réfléchissons à l'éternité avec Jésus-Christ. Je voudrais conclure mon témoignage avec des paroles de Jésus-Christ. Dans Luc 24, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.